What's up, Doug? La vie est un combat, une lutte au corps à corps. Je suis allé chercher un petit truc à manger pour les travailleurs, un petit truc à grignoter, vous savez, ça encourage déjà. Pour voir les résultats, il faut être encouragé. Voilà, j'espère qu'ils apprécieront. Vous savez, avec l'expérience, j'ai vite compris qu'il y a 4 types de personnes à sérieusement éviter. Les personnes qui vous mentent, les personnes qui vous manquent de respect, les personnes qui se servent de vous et ceux qui vous découragent. D'abord, un bon ami ne ment pas. Il vous dit la vérité, quel qu'en soit le prix. Un ami bien viendra vous dire, frère, je crois que là j'ai gaffé. Il ne fallait pas. Je suis vraiment désolé. La dernière personne que vous voulez autour de vous, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité. Qui ne vous dit pas la vérité dans ce qu'il fait, qui ne vous dit pas la vérité de la situation. Peu importe les difficultés, vous n'avez pas besoin d'une telle personne. Dans votre entreprise, pour les entrepreneurs, vous avez besoin d'une personne qui dit la vérité. Une personne assez brave pour assumer ses erreurs. Et dire, boss, je crois que là, je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé. Et voilà, on assume complètement la responsabilité. Pas une personne qui vous ment. Vous avez besoin d'une personne qui a une bonne attitude. Vous n'avez pas besoin d'une personne talentueuse au boulot. Au boulot, on a besoin d'une personne qui a une bonne attitude et une personne véridique, honnête, franche. Une personne talentueuse avec mauvaise attitude, vous n'en ferez rien du tout. Mais un monsieur courtois, de bonne attitude, honnête, vous pouvez aller partout ensemble. C'est une question d'entraînement, de formation, question de patience. Donc vous avez besoin d'une personne qui vous dit la vérité. Peu importe la situation, évitez les menteurs. Un frère menteur, un cousin, un ami, un travailleur, un employeur menteur, évitez ça. Catalysons la destruction. Une femme menteuse, une fiancée. Vous savez, il y a des femmes ici dehors, vous lui posez la même question. Différents jours, elle vous raconte 7 versions différentes de la même histoire. Où elle reste très approximative. Ah, nous sommes allés chez Johanna. Ensuite, on est rentré. Mais quand vous posez des questions sur les précisions, soit elle se fâche, disant « Pourquoi tu me poses les mêmes questions ?» C'est justement pour te faire abandonner. Sinon, tu risques de découvrir la vérité. Ou voilà, carrément, c'est la guerre. Faites très attention aux femmes menteuses. Elles ne vous serviront à rien de positif. Elles sont destructrices. Elles sont porteuses de poisse. Évitez les menteurs. Vaut mieux une femme paresseuse. Une femme désordonnée, une femme menteuse. Vaut mieux avoir une femme désordonnée, une femme paresseuse, que d'avoir une femme menteuse. Une femme paresseuse peut apprendre. On peut lui apprendre comment devenir ambitieuse, comment devenir courageuse, comment aspirer aux nouvelles choses dans la vie, comment chercher à avancer, comment s'améliorer, comment apprendre, comment se développer. Et une femme menteuse, vous en ferez quoi? Vous voyez, les menteurs sont particuliers. Le mensonge est ancré dans l'esprit de l'humain. Ça fait partie de sa nature. Vous ne pouvez pas changer ça. On peut apprendre à une personne comment devenir ambitieuse, comment devenir courageuse, brave, comment aller de l'avant. Mais on ne peut pas apprendre à une personne à devenir honnête. C'est presque impossible. À moins qu'il y ait une force supérieure venant de... C'est presque impossible de transformer un menteur en une personne honnête. Évitez les menteurs. Un menteur n'hésitera pas à vous décevoir. Ça fait partie de sa nature. Vous voyez une personne qui ment dans des très petites choses, des choses sans importance. Le prix de ses chaussures, les prix de ses habits, les voyages qu'il a effectués, les personnes qu'il connaît, ses correspondances. Vous voyez une personne qui ment pour des choses banales. Pourquoi vous voulez en faire un partenaire, une épouse ou un époux, un collaborateur? Il y a de ces gens à qui vous dites « Hey, comment tu vas? Ça va bien? Tu es où au téléphone ?» Elle te dit « Ah, je suis à la maison. » Mais vous venez à peine de voir la personne passer en voiture, dans un taxi. « Tu es où? Je suis à la maison. » Mais tu viens de l'avoir passé dans la voiture. Il faudrait bien se demander si la maison, c'est le taxi. Évitez les menteurs dans votre vie. Une personne qui vous ment une fois, vous mentira certainement une seconde fois. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent changer. Mais la plupart des gens qui mentent naturellement reviennent à leur instinct. Ça fait partie de leur nature. Et vous n'en ferez pas grand-chose. Deuxièmement, évitez ces personnes qui vous manquent de respect. En privé ou en public.
dételer complètement. Une personne qui vous manque de respect n'hésitera pas à vous décevoir. Une personne qui vous manque de respect n'hésitera pas à vous faire des coups bas. Une personne qui vous manque de respect n'hésitera pas à vous trahir. Faites très attention. Un homme ou une femme qui vous manque de respect ne vous aime pas. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui se cachent derrière l'amour disant « Non, tu vois, je t'ai manqué de respect, mais je t'aime. » C'est faux. Quand on t'aime véritablement, on ne te manque pas de respect. Même raccrocher au nez à une personne, c'est un manque de respect. Vous discutez avec une personne qui vous est chère, mais vous êtes en discordance d'idées. Elle se fâche et vous raccroche au nez. C'est un manque de respect. Vous pouvez naturellement dire « Mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. » En tout cas, mon opinion est complètement différente. Mais est-ce qu'on peut passer à autre chose ? Ou sinon, je pense qu'il serait peut-être préférable que je te laisse le temps de réfléchir. Je n'ai pas envie de parler maintenant, je te parlerai plus tard. Ça, c'est plus mature, au lieu de te raccrocher au nez. Celui qui te raccroche au nez te manque de respect. Et on ne peut pas aimer une personne à qui on manque de respect. On ne peut même pas être fidèle à une personne à qui on manque de respect. Pour qu'une personne vous soit fidèle, elle doit vous respecter. On ne peut pas être fidèle à une personne qu'on ne respecte pas, c'est impossible. Évitez ces personnes qui vous manquent de respect, même au boulot. Vous souriez à une personne, vous êtes gentil et sympathique, il commence à déborder. Vous donnez la main et subitement, il veut le bras. Évitez ces personnes, ils ne vous apporteront rien de positif. Ils ne vous serviront à rien dans le positif. Ça ne sera que le stress, la misère, la colère, le désenchantement. Un aîné qui ne vous respecte pas, hello ladies, un aîné qui ne vous respecte pas, mettez-le dans son coin et laissez-le là-bas. Parce qu'évidemment, il y a des aînés qui se pensent tout autorisés, quoi. Hein, parce qu'ils ont été à l'école avec votre grand frère, ils pensent qu'ils peuvent vous dire n'importe quoi, en public ou devant les gens. Les gens, pareil, vous en connaissez certainement. Mettez-les dans son coin, laissez-les avec son âge dans son coin. 3. Évitez ces gens qui se servent de vous. Hein, ces gens qui ne vous appellent que quand ils ont des difficultés. Ces gens qui ne vous appellent que quand ils ont des problèmes. Vous avez certainement un numéro quand ça apparaît dans votre téléphone. Dial in. Vous dites, ah, lui aussi, n'est-ce pas ? Ces personnes-là, ils viennent puiser l'énergie auprès de vous. Ils viennent puiser les ressources, la force mentale, les ressources financières. Ils viennent puiser les conseils, les idées auprès de vous. Mais n'investissent jamais rien en vous. Ces personnes se servent de vous. Vous savez, vous pouvez avoir des amis à qui vous donner hein, des idées. Des amis qui ont besoin de vous mentalement. Mais il n'y a aucune amitié n'existe sur Terre où l'eau ne va que dans une seule direction. C'est impossible. La personne qui est votre ami doit vous apporter quelque chose, quelque part. Même si ce n'est pas de l'argent. Ça pourrait être des idées, ça pourrait être des conseils, ça pourrait être des suggestions dans la vie. Si ce n'est pas des suggestions, ni des conseils, ni des idées. Un ami est une personne qui vous apporte la paix, le bonheur, le sourire, la joie. Mais vous voyez ces gens qui, quand ils vous appellent, c'est pour recevoir de vous. Je suis en difficulté, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'aide. Il y a mon enfant qui est malade, ma cousine est tombée dans l'eau. Ces gens se servent de vous. Il y a ces gens qui, quand ils ont des problèmes, vous êtes leur meilleur ami. Quand les problèmes sont finis, ils ne viennent plus chez vous. Ils ne vous appellent pas, ils se foutent complètement de ce qui se passe dans votre vie. Mais quand ils sont chez vous, vous savez qu'il y a des problèmes. Ils sont en difficulté, il y a quelque chose qui cloche. Ces gens se servent de vous. Évitez ces personnes, évitez ce genre de personnes. Je ne vous demande pas d'ignorer la misère des autres. Il faut aider les gens quand vous pouvez. Il faut apporter assistance à ceux qui sont en difficulté. Il faut être là pour vos proches. Mais je vous dis de ne pas devenir l'objet dont on se sert pour ses intérêts personnels. On peut se servir de vous de plusieurs façons sans que vous le sachiez. On peut se servir de vous, vous pensez que c'est l'amour. On peut se servir de vous pour votre argent. On peut se servir pour vous pour votre chair, c'est-à-dire dans l'intimité. On peut se servir de vous pour vos contacts, pour vos capacités. On peut se servir de vous dans plusieurs circonstances. Une personne qui se sert de vous ouvertement n'hésitera pas à vous descendre si l'opportunité lui est conférée. Je me souviens d'une fille que j'ai côtoyée pendant un temps. Ça me rappelle une fille que je côtoyais pendant un temps. Elle était gentille, sympathique. Elle m'aimait beaucoup. Et je commençais à lui donner de l'argent. Un peu trop et un peu trop vite, je crois. En guise d'amitié, franchement, pour moi. Et clairement, l'amour qu'elle avait pour moi avait complètement changé. Ce n'était plus l'amour vrai, authentique. Elle commençait à m'aimer pour l'argent. Moi, je n'avais que de l'amitié pour elle. Mais j'avais réalisé que l'amour qu'elle avait pour moi avait complètement changé. Ce n'était plus la même chose. Elle se servait de moi. Il y a des gens bien. Une personne peut être bien, mais elle a la sémence d'un voleur. Nous avons chacun une sémence. On peut être quelqu'un de bien, mais on a la sémence de voleur. Le quatrième type de personnes à sérieusement éviter sont ces personnes qui vous découragent. Ton business va échouer, ta relation va échouer. Faut laisser tomber, ça va pas marcher. Faut pas voyager. Il y a des gens qui souffrent là-bas. Ah, c'est mieux ici. Le visa est compliqué. Toi, tu as essayé ma relation, ça a échoué pour toi.
faut éviter les gens qui vous découragent. Oh, ton mariage ne marchera pas. Oh, ton mari est incompétent. Chacun sa vie, chacun son destin, chacun son avenir. Il faut laisser les gens vivre leur vie. Évitez ces personnes qui vous déroutent, qui veulent vous dérailler. Écoutez, il y a une semence positive dans chaque humain. Et il est de votre responsabilité de l'arroser. N'allez pas demander conseil auprès de quelqu'un qui a échoué dans ce que vous voulez faire. Vous pensez qu'il vous dira quoi? Il va vous décourager. C'est trop compliqué, ça ne marche pas. Ce pays est raciste. D'ailleurs, moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Chacun sa vie, chacun ses opportunités, chacun sa chance, chacun sa bénédiction. Faites vos propres erreurs. C'est nécessaire. La vie n'a pas été créée seulement pour ne pas faire des erreurs. Les erreurs sont là pour une raison. Je ne vous dis pas qu'il faut aller vous tuer. Je vous dis qu'il faut faire des erreurs manageables, gérables. Ce sont ces erreurs qui vous grandissent. Ces erreurs vous aident à acquérir de la connaissance, de l'expérience, de la résilience. Quand quelqu'un ne fait que vous décourager, il faut l'éviter. Vous n'avez qu'une seule vie et la vie est très courte. Et un conseil au jeune homme, quand tu donnes de l'argent à une femme, il ne faut pas donner trop vite, trop d'argent trop vite. Ce n'est pas bien. L'amour va partir. Même si elle commençait vraiment à t'aimer pour toi, ça va disparaître. Même pour les amis aussi. On ne donne pas trop d'argent trop vite à quelqu'un. Parce qu'avec le temps, ça ne sera plus vous qu'elle va aimer, ça sera vos mains qu'elle va aimer. Parce que les mains lui font du bien. Ce n'est pas vous, c'est vos mains. Encore une fois, évitez ces gens qui vous mentent. Évitez ces gens qui vous manquent de respect. Évitez ceux qui se servent de vous. Évitez ceux qui vous découragent. Merci infiniment, je pense qu'on a appris quelque chose aujourd'hui, j'espère. Laissez un commentaire, vous savez comment ça se passe. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.